Hey yo les gars, yo tout le monde, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi personnellement, ça va super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve après plus de 5 mois où j'ai pas posté de vidéo, j'ai fait que des lives, des trucs comme ça. Alors, dans cette vidéo les gars, je vais vous parler de mes projets pour 2024, tout ce que j'aimerais faire. Et d'un truc aussi très important à retenir. C'est qu'on va en parler maintenant. Déjà, les gars, je vous annonce qu'on va plus faire de vidéos PVZ sur cette chaîne. Parce qu'en gros, ce que j'ai préféré faire, c'est que au lieu de le faire sur une chaîne de PVZ, parce que j'ai envie de faire vraiment des vidéos PVZ, mais genre à long terme et plein de projets, je peux pas vraiment le faire sur cette chaîne. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que à partir de maintenant, d'aujourd'hui, on va dire, toutes mes vidéos PVZ seront sur une autre chaîne qui s'appelle Raven 2.0. Je vous mettrai le lien en bio de cette vidéo. Allez vous abonner, allez voir. Et ben, cette chaîne-là, à partir de maintenant, toutes mes vidéos PVZ seront là-dedans. Celles qui sont là, elles resteront, hein. Mais vous en verrez plus. En tout cas, rarement dans cette chaîne. Il y en aura vraiment pour d'autres chaînes. Sinon, cette chaîne, j'avais envie de. J'ai fait ça parce que cette chaîne, j'ai envie de me concentrer à du multigaming, des jeux comme ça. J'ai plein de petits jeux à tester qui pourraient être fun. Et j'ai pas vraiment envie de faire que des vidéos PVZ. Sinon, voilà, c'était un peu la parenthèse pour ce que j'avais envie de faire. Attendez, je fais ça, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du coup, ouais, pour 2024, j'aimerais finir FNAF 2 et attaquer FNAF 3, oui. En fait, on va se taper tous les FNAF de 1 à 5. On va se les taper tous. Mais pour faire ça, il faut que je finisse FNAF 2. Donc, je vais essayer de finir FNAF 2 cette année-là. Je vais vraiment tenter. Et j'espère que ben, je vais réussir. J'aimerais. En vrai, il y a des trucs comme ça. D'ailleurs, je vous le redis, hein, cette chaîne, c'est un peu une chaîne brouillon. Dans cette chaîne, il n'y aura pas des vidéos travaillées. J'aimerais bien que là, cette chaîne, enfin, cette vidéo, elle est très peu montée. Elle est montée sur Char Factory. Parce que j'ai pas trop envie de me faire chier à faire un long montage de 2 jours. Alors que je peux faire un petit montage qui prend quelques secondes et qui est quand même. Pas quali hein, et vite fait, c'est juste de toute façon, c'est juste des vidéos comme ça. Hein. Juste pour moi, besoin de faire 2-3 cuts, des trucs comme ça. Puis voilà, c'est bon, c'est fait, c'est prêt, c'est envoyé. Donc il y a ça déjà. Ensuite, j'aimerais dépasser les 50 abonnés pour 2024. Donc n'hésitez pas à vous abonner si on réussit à faire ça. C'est très bien. Bon, sur ma chaîne principale, j'en ai 300. Hein. Je dis pas que. Voilà, que c'est pas non plus incroyable non plus, mais en vrai, ça peut être bien. Et les gars, il n'y a pas très longtemps, je crois, la chaîne a atteint. C'est 2 ans. Ouais, la chaîne a 2 fucking piges. Hein. Ça passe trop vite. Ma première vidéo, il y a marqué 1 an, mais dans environ 1 mois, il sera pas tardé. Je sais plus c'est quel mois j'ai posté ma première vidéo. Vous pouvez aller regarder, c'était FNAF 1, je crois. Ça devait être ça, ma première vidéo. Et ben, c'est ça, là. Je vais le finir. Je vais le. Comment ça s'appelle? Du coup, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je vous pose des vidéos. Bon, cette année, j'ai pas posté beaucoup de vidéos. J'ai posté plus des lives, hein, je vous l'avertis. J'ai vraiment pas posté de vide. Parce que j'avais d'autres trucs à faire. J'avais déjà ma chaîne Delta à gérer. Et j'avais d'autres trucs, mon TikTok à gérer, que j'ai perdu d'ailleurs. Hein. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez plus de vidéos dessus. Hein. Je vais en faire un autre peut-être, on verra. Parce que quand même, en fait, je sais pas si je vais en faire un autre. Dites-vous que ça fait plus de.
Ça fait plus de 2 ans que j'ai. Non, je dose un peu. Plus de 1 an et 3-4 mois que j'ai ma chaîne Bankokai. En vrai, c'est pas non plus incroyable. Hein. Pour vous, ça va peut-être être rien. Mais dites-vous que, en vrai, c'est dur de demander à un pote de garder une chaîne et poster des vidéos. Je postais vraiment des vidéos communément. Je postais une vidéo par semaine. Et j'avais 27 000. J'avais réussi à atteindre les 30 000 abonnés, un truc comme ça. J'ai perdu. Donc en vrai, la perte d'un côté, c'est bien parce que j'en avais marre de faire des vidéos. Genre, à un moment donné, personnellement, à un moment donné, j'en avais marre de faire des vides. J'avais vraiment envie d'arrêter. Parce que j'en postais trop, quoi. Et c'était plus fun. Je voulais faire des vides sur d'autres projets. Parce que quand j'en faisais sur d'autres projets, c'est chelou de dire comme ça, mais ça faisait pas de vue. Et en vrai, moi, t'as vu, je fais ça pour le fun. Mais si... Si y a personne pour tes maths que tu fais, frère, c'est chiant. Ça, c'était mon état d'esprit avant. Mais en vrai, maintenant, je m'en balais. Maintenant, ma vidéo, elle peut faire 700 vues, comme 100 vues, comme 1000 vues, comme 3000 vues. Bon, si elle fait beaucoup de vues, je serais content. Mais en vrai, si elle en fait 700 ou 500, franchement, qui est vraiment les vues basiques, je vais pas être... je vais pas pleurer, quoi. Je m'en foutrais un peu. Parce que, ben, j'ai changé. Maintenant, je m'en fous. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez plus de vidéos sur la chaîne, c'est totalement normal. Et voilà. Sinon peut-être en vrai je ferai une chaîne, une autre chaîne, mais genre vraiment pour le fun et tout. Faut voir si j'ai envie ou pas. Je vous dirai ça. Vous inquiétez pas. Ce que j'aimerais aussi faire, c'est que... D'ailleurs, si vous savez pas, j'ai la chaîne Delta qui est ma chaîne principale. Et sur cette chaîne, je postais beaucoup de doublages. Que ce soit sur des trucs d'Among Us, j'en faisais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'était un moment où j'en postais vraiment une fois par jour. On avait fait le catalogue complet de Rodamrix. Et peut-être qu'on finira, on verra. Déjà, c'est sûr qu'on va faire Movie Ball saison 2, hein, vous inquiétez pas, ça sera en 2024. J'avais dit que c'était ça allait être en août, ce n'est pas sorti en août, parce que j'avais une flemme incroyable. Mais vous inquiétez pas, ça sortira sur la chaîne Deltaï. Vous serez, je vais faire un petit teaser et je sais ce qui va, tout ce qui va se passer dans la saison. J'ai déjà des petites idées pour tout ce qu'il y aura. Ça sera une saison 5 épisodes, hein, comme l'autre c'était 4 épisodes. Mais là, il y en aura 5. Vous inquiétez pas, ce sera en bref. Enfin, là, si je sens que je suis mort. Ouais, du coup, voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est un peu la chaîne Deltaï. Il y aura Movie Ball saison 2, ça c'est sûr. Il y aura aussi la suite de Rodamrix normalement. J'aimerais bien faire l'Alternate 2. Et sinon, ben voilà. Ensuite, en vrai, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire pour Deltaï et tout, pour la chaîne. Donc voilà, après les gars, il n'y a pas non plus. En fait, il n'y a pas non plus grand. Beaucoup de trucs à dire. Bah, on va faire l'année, quoi. Je vais poster des vidéos. Je vais essayer de reprendre les vidéos. Au moins une par mois, quoi. Parce qu'avant, j'en postais vraiment pas. Je faisais que des lives. Les lives, c'était genre, j'avais la flemme de mettre en mon répertorié la plupart. Hein. Mais voilà. Il n'y a pas longtemps, cette année, on s'était fait deux forêts, c'était incroyable. D'ailleurs, on va se le refaire. Parce que c'est vraiment un truc incroyable, The Forest. On va se le refaire avec une nouvelle personne, parce qu'en fait, en co-op, The Forest, c'est vraiment un jeu de fou malade mental. Un gros banger. Non, j'ai pas réussi à le protéger, dommage. Du coup, je disais, The Forest, c'est un gros banger... entre potes, et là du coup on va avoir un nouveau pote et tout, ça va être un peu plus fun avec ceux de base, hein.
D'ailleurs, là, non, si vous regardez l'épisode, l'épisode 1 est sorti, il y en aura un tous les jours normalement. On va essayer de se finir le jeu. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est que comparé à ce qu'on avait fait avant, on avait fini le jeu là-bas vite. En 6 épisodes ou 8 ou 9. Là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps d'avoir tous les objets, de se faire une bonne base, d'être fun et tout. Et le jour où on aura vraiment la flemme de continuer, ce qu'on fera, c'est qu'on finira le jeu, on prendra nos clics et nos claques et on finira notre survie. Voilà. Sinon, à part ça, ouais, j'ai rien d'autre à dire en vrai. Ce que j'avais à dire pour Delta et pour Ivan. Riven, je vais essayer de faire la suite de FNAF. N'hésitez pas à vous abonner à Riven 2.0. Parce que dans Riven 2.0, les gars, il y aura des vidéos sur tous les PVZ, hein, même sur mobile. Surtout sur GW2, parce que GW2, c'est lui, a le plus de contenu. Les autres, c'est ennuyant, un peu à jouer par le 1. Mais BFN, c'est ultra ennuyant. Sinon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était Riven, et moi, je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. Et passez une bonne année 2000, j'espère que vous avez passé une bonne année 2023. Moi personnellement, ouais, je l'ai pas dit ça, hein. Mais en vrai, moi, elle était bien cette année. Je dis pas que c'est la meilleure, parce que pour moi, en vrai, il y a déjà eu mieux. Sinon, voilà, on va tenter de passer cette année cleanement, bien. Et moi, je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. À plus.